Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Planète Découverte pour cette nouvelle émission de J'irai dormir chez vous. Peut-être pas. Nous sommes aujourd'hui à Viré-le-Grand. Viré-le-Grand, petite bourgade de Bourgogne. 2300 habitants pour 1300 hectares. Ce qui fait environ... 1000 hectares pour un habitant. Non. 1 hectare pour 1000 habitants. Non, 1 hectare pour un habitant. Merci. Pourquoi Viré-le-Grand ? C'est une bonne question. Viré-le-Grand a été construite sur un ancien site gallo-romain. Et nous pouvons retrouver encore aujourd'hui certaines magnificences de cette époque, notamment dans la présence encore préservée aujourd'hui d'une église de style gallo-romain avec un clocher d'inspiration égyptienne et une nef d'inspiration mongole. C'est dû à Viré-le-Grand lors d'une invitation du duc de Bourgogne pour marier sa fille il y a environ 15 siècles. Tout ceci est relativisé aujourd'hui. Viré-le-Grand vit. Viré-le-Grand est une ville qui avance et pour preuve, nous allons rencontrer ses hôtes. Alors nous allons rencontrer tout de suite l'une des personnes emblématiques de Viré-le-Grand, Martine Letrot, institutrice. Bonjour Martine. Bonjour. Enchantée. Merci de vous recevoir. Alors, vous êtes institutrice à Viré-le-Grand. Comment ça se passe? Dites-nous. Comment vous faites pour éduquer ces jeunes à cette société d'aujourd'hui quand on habite à Viré-le-Grand? Alors écoutez, je suis institutrice depuis une dizaine d'années et j'ai vu passer tout petit peu d'enfants, mais les enfants du coin sont plutôt bien sympathiques, ils sont tout pleins de vie. Ah, et oui. Donc nous leur enseignons la vie du village, la vie de la Bourgogne, nous les emmenons en balade, nous essayons Est-ce de que vous faire les éduquer aux joies du vin, aux joies de la viniculture dès le plus jeune âge, en leur faisant goûter aux saveurs des vins de Bourgogne? Alors nous les emmenons visiter des caves, mais leur faire Est-ce goûter que vous le les vin dans la cave après pour l'instant. Alors nous en avons oublié un, une ah. fois. Nous avons évident. Mis une semaine à nous en rendre compte, oui, mais c'est voilà, possible. Les gens ont été compréhensifs, ils ont dit bon, allez, ça arrive. C'est toute la tolérance et la largeur d'esprit des habitants de Viré-le-Grand. Merci, je vous en prie, Martine, pour cette rencontre incroyable. Je vous souhaite très bonne continuation à vous et à tous les enfants de Viré-le-Grand. Alors, autre spécificité de Viré-le-Grand, les enfants vont bien évidemment à l'école comme dans toute l'île de France, mais ici, on peut aussi les acheter. En effet, vous retrouvez sur ces panneaux publicitaires le nom, le prénom de tous les enfants, et il est possible, selon les choix de chacun, d'acheter la petite Léana Mercier, ou la petite Kanza Moukdaril, ou la petite Laura Perronnet, ce qui permet ainsi à tous les parents en manque d'enfants de trouver à Viré-le-Grand ce qu'ils n'auraient pas trouvé ailleurs. Une belle initiative, soutenue par la mairie, que nous saluons. Viré-le-Grand est donc à proximité de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, ville fort connue pour... Ah, tiens. Il est étonnant de remarquer que les autochtones ont ici des habitudes un petit peu particulières. Nous allons peut-être essayer de les approcher. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Iron Man. Oui, pourquoi? Ah, nous avons Iron Man. Alors, exclusivité mondiale, bonjour. Iron Man habite à Viré-le-Grand. Oui, enchanté. Enchanté. Enchanté, bonjour. Enchanté. Tony Stark. Comment? Alors, nous sommes ici en découverte de cette ville de Viré-le-Grand. Je suis très étonnée de me retrouver face à Iron Man. C'est quand même pas tous les jours. Alors, et votre ami? Alors, moi, c'est mon frère jumeau par cousin germain. D'accord. Vas-y, viens, Rouya. Bonjour. Vas-y. De Planète Découverte, j'ai envie de faire votre connaissance. Je suis aussi la télé. Alors, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire pour tous les téléspectateurs qui nous regardent? Nous on est venu ici se mettre un peu au vert. Concernant. Bah, en fait, elle est étonnée de nous voir ici. Genre, t'as vu, on est des robots. Dans une île déserte bien loin de Viré-le-Grand. Ah, c'est Viré-le-Grand, c'est ça. Mais nous, on est venus là pour le beau temps, à la base. Pour le beau temps, pour le soleil. Sûr, oui. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'on sort en short et qu'on prend un peu le soleil. D'accord. Et voilà, parce que nous, on a fait quoi? On a fait Avengers le 1. Moi, je suis en formation pour le prochain. Ah voilà. Sur formation super-héros, c'est pour ça, c'est mon cousin, il m'entraîne. C'est ça, je l'entraîne, je lui envoie des... Et le centre des super-héros se trouve à Viré-le-Grand? Ouais, c'est ça, mais il faut pas le dire. D'accord, écoutez, là, oups,
Le secret est dévoilé. Ah merde, tu peux couper ou pas? Nous couperons ceci au montage. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir rencontré. Je vous remercie de cette très bonne continuation dans votre centre d'apprentissage de super-héros. Merci. Et Roman, à bientôt. On passe un bonjour à la seconde B option Escrime. Ouais. Big up. Et à Thor, cousin Thor, il est cousin Thor, vas-y. Pose-toi bien. Et ramène le soleil, enculé. Vas-y, et ramène ton marteau, il y a des travaux à faire à la baraque. Salut. Cheers. Et allez voir Iron Man 3. Yes, I. Avengers 2, bientôt dans les bacs. Eh bien, suite à cette rencontre tout à fait inattendue, nous allons désormais essayer de rencontrer le maire du village, le maire de Virelgrand, qui paraît-il est assez particulier. Est-ce que le maire de Virelgrand se présente? Alors oui, le maire de Virelgrand vient de sortir de la mairie. Ah, nous le voyons arriver. Il est là, il arrive. Si la caméra veut bien montrer l'arrivée du maire. Alors que nous sommes sous une pluie battante. Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Marguerite, de Planète Découverte. Enchanté, maire de Virelgrand. Vous pouvez m'appeler maire. Vous avez un casque étonnant. Exactement. C'est en fait, c'est une coiffe traditionnelle de la mairie. La découverte de Virelgrand se poursuit. Nous allons désormais entrer dans la salle des fêtes municipales. Comme vous pouvez le voir, une grosse ambiance, beaucoup de participants, des gens vivants, des gens pleins d'entrain qui participent à faire vivre cette vie de Virelgrand. Nous allons nous rendre vers l'église, cette fameuse église d'inspiration gréco-latine, et rencontrer ici même la conservatrice de cette église, qui, je crois, n'est pas une habitante du Virelgrand, mais qui a adopté cette ville, qui l'a aimée. Alors, bonjour à vous. Yes, oui, très content. Mais je suis ravie de vous rencontrer également. Bonjour. Alors, dites-nous, vous n'êtes pas du Virelgrand à la base? Non, yes, oui, du Venezuela. Du Venezuela. Alors, pourquoi, venant du Venezuela, vous avez choisi le Virelgrand? Il y avait envie de découvrir la quintessence de la France. La quintessence de la France, ce n'est pas rien. Et vous l'avez trouvée ici à Virelgrand. Yeah, c'est incroyable. Incroyable. Magnifique. Et particulièrement dans cette église. Alors, dites-moi, vous êtes conservatrice de l'église de Virelgrand? Non, je suis la bande de Corée. Ah! Bien. Eh bien, pour ce moment, néanmoins. Il balaye, tout ça là, c'est moi qui balaye. C'est vous, c'est incroyable. Si. C'est un travail incroyable. J'ai rarement vu des carrés aussi blancs. C'est incroyable. Ici, c'est un village très tranquille. Pas trop de monde, hein, y a... et pas trop de soleil, parce qu'il est allergique au soleil. Si. Et ici, ça tombe bien. Oui, bah oui, je comprends bien. Et vous voulez visiter? Oui, avec joie. Avec joie. Entrons dans ce bâtiment plein de mystères. Oui, la porte est fermée. Est-ce que nous pouvons rentrer? Je ne sais pas. Et c'est bon. Vous avez... Je crois que les collègues, il est occupé. Hein. Des fois, les dimanches, il a un peu des petites occupations, des petits... Ah bah, bon, bref. Je crains que ce soit sur cette tentative vaine, mais néanmoins charmante, accompagnée de notre amie Titiolina, que va se terminer cette émission spéciale sur Virelgrand. Ah, on me fait signe que quelque chose serait en train d'arriver à Virelgrand. Ah. Bon, essayons de retrouver le maire immédiatement. Monsieur le maire. Oui. Je viens d'apprendre de mes collègues qu'apparemment, c'est quelque chose qui serait passé à Virelgrand. Du côté du bar, brasserie, restaurant, les chasseurs. Savez-vous où c'est? Un accident terrible. Venez avec moi juste en face. Mon Dieu. Un accident vous avez terrible. Une exclue mondiale. Un accident de chasse, on ne sait pas comment c'est arrivé. Mon Dieu. Mais bonjour, monsieur le maire. Bonjour, je suis contente de vous voir, monsieur le maire. La situation est grave. Bonjour, monsieur. Bonjour. Marguerite de Planète Découverte. Excusez-moi, je suis encore un peu sous le choc. Il vient de se passer un accident grave. Un accident grave avec une flèche. Mon ami a été touché. Votre ami a été touché. Où est-il? Attendez, regardez par là. Vous voyez, déjà, ça fait les gros titres des journaux. Mon Dieu.
C'est tout récent. La presse est arrivée très vite. Mais les secours, on les attend toujours. Voilà, mon ami est là. Il s'est pris une flèche dans l'oreille. C'est critique, mon c'est Dieu, critique. C'est il risque de mourir d'un instant à l'autre. S'il vous plaît, appelez les secours. Quelqu'un a un portable. Et non, malheureusement, le portable ne passe pas à Virelgrand. Mon Dieu, du... J'ai peur que cette séquence choque la sensibilité des téléspectateurs. Écoutez, nous allons faire notre possible. Mon ami. Non, calmez-vous. Mon ami. Tout va bien. Ok, ah, la régie. Monsieur le maire. On va utiliser le téléphone satellite là pour prévenir de l'urgence de la situation. Ok, on coupe. Ne faites pas ça, malade.